Ok. Putain, mais attends, je me méfie à chaque fois que j'en sauve un, quoi. Ah. Bah, c'est con. Les falaises hurlantes. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Bien joué. Putain, c'est austère, hein. Putain, il est où ce con? Putain, mais il est où? Doit être au-dessus. Yes, il a l'air d'être au-dessus. Oh, il est là. Profitez-vous bien de cet air vivifiant. Nous sommes tout près des frontières d'Alonest et des plaines désolées qui l'entourent. Je suis allé presque aussi loin que je le souhaite dans cette direction. Cependant, c'est un changement agréable après avoir réussi à sortir de ces cavernes étroites. J'ai cartographié une petite carte de la région. Celle-ci est simple et créée en tant qu'achèvement personnel. Cela peut être assez frustrant de ne pas connaître toute l'étendue d'une région. Voulez-vous acheter une carte? Oui. Falaise hurlante. Ah oui, en effet, c'est vraiment une carte approximative. Carte de merde aussi. Bon, y'a quoi là-bas? T'as Dirt Mouse là-bas? Ok, super! Eh ben, tu sais quoi? Au revoir. Eh, mais les zones où on n'y voit rien comme ça. Je pense qu'il y a un pouvoir du genre vision nocturne ou quoi, parce que c'est pas possible. Le nombre de zones que je peux pas visiter juste parce qu'on n'y voit rien. Tu as quelle version du jeu? L'édition Cœur du Vide. Ici repose Gorb, le grand sage.
Oh non! Ah, attends, tu peux peut-être revenir en arrière. Oh putain, ça va être fun de tout remonter. Oh! Très joli lieu de repos. Ok, d'accord. On va essayer de revenir. Bah non, putain, si on revient par là-bas en arrière, je crois que c'est là où on avait. Non, il faut plutôt aller vers la gauche. Idole du roi. Merde. C'est quoi? Oh. D'accord. Falaise hurlante, Dirtmouth, route oubliée. Mont cristal, cité des larmes, caverne nocive. Ah putain. Eh, on en a fait du chemin quand même, hein. Ah, ça permettra de détenir plus d'âmes, c'est cool ça. Ah, tu peux pas aller plus loin? Je suis allé au maximum de la frontière. Huh?
Mais il est toujours là avec sa carte. Je pensais qu'il se serait barré. Ouais. C'est que des plateformes sur des pics, donc c'est infaisable si t'as pas un pouvoir, quoi. Bon, et apparemment on peut pas vraiment en faire plus. Allez, on va retourner à Dirtsmouth. Ça, je vois pas quoi faire de plus dans cette zone. Ah, je crois pas que j'étais allé par là, tiens. Passage. Voilà. Voilà. Je viens de penser qu'il y avait un petit insecte aussi qu'on avait aidé. Peut-être qu'il est revenu ici et voilà. On va aller voir. Ils me remettent les trucs du tuto, quoi. Remarque, s'ils pouvaient me remettre le truc du tuto, genre... Hey, tu sais que tu peux regagner de la vie en faisant ça. Enfin, gagner plus de vie.
Oh, nice! Un charme donnant forme à la fureur et à l'héroïsme de ceux qui sont sur le point de mourir. Proche de la mort, son porteur deviendra plus fort. Cool. On peut te donner la position d'objet que tu as raté. Oui, si vous voulez. En fait, je pensais pas que ça, enfin, qu'il y aurait autant de trucs cachés dans le coin là. Oups. Ya. Ouch. Je suis rentré comme ça, tu sais. Genre, hey! Tu sais, ouais, eh ben, au revoir. Ah, putain, c'est toujours fermé, là. Ah, mais là, c'est ouvert. Quelle bonne surprise, notre marchand est revenu, il vient juste de rentrer. J'avais espéré entendre l'histoire grandiose de son temps passé plus bas, mais il semble avoir presque tout oublié. Peut-être que c'était bien plus qu'il ne pouvait en supporter. Si tu es intéressé par sa marchandise, fais bien attention, il est dur en affaires. Aucune concurrence, c'est bien ça le problème. C'est mauvais pour les affaires, non pas qu'ils s'en plaignent. Ah bonjour, je savais bien que nous nous reverrions. Comment trouves-tu ma petite boutique? Je me suis installé très confortablement ici pour vendre d'anciennes breloques aux voyageurs comme toi. Si tu prévois un long voyage plus bas, j'ai plusieurs objets qui pourraient grandement améliorer tes chances de survie. Un éclat de masque. Ah, fragment d'un réceptacle. Clé simple. Et 5 cueilleurs. Perds-tu beaucoup de jeux dans les cavernes? Ah. Ce charme te rend invincible plus longtemps après avoir subi des dégâts. Ok. Oh putain, 1800! Ah, des œufs. Lanterne de. Quelle est la chose la plus importante dans ce monde? Une lumière pour vous guider. Et pourquoi pas les deux? Prenez cette petite créature lumineuse avec vous, elle vous éclairera. Oh là là, 1800! 1800 pour cette lanterne! C'est pas sérieux ça! Je sais pas ce que c'est ces éclats de masque. Pas de masque! Pardon. Il te faut trouver tous les éclats de masque. Enfin, il te faut trouver au moins 3 éclats de masque pour avoir un point de vie en plus. Putain! Ah bah alors là, mon gars.
Elle va me dire, j'ai rien dans ma boutique. Pas pour nada. Bon, on a tout ce qu'il faut de ce côté-là. Oh, sérieux quoi, il faut 50 milliards de fragments de tout. Je sais pas trop où aller. Peut-être au niveau de la caverne nocive. Peut-être. Parce que la cité des larmes, j'ai fini ce que j'avais à faire. Ouais, peut-être la caverne nocive. Hein. Yes. C'est reparti pour la caverne nocive. On va prendre le point de sauvegarde à côté. J'adore perdre tous mes points de vie sur un pauvre champignon à la con. À 150 pour réparer ça. Oh là. Bon bah go. Hein. Bon bah merci. Au moins je sais où aller si j'ai encore pété un truc. Mais j'aime bien, tu sais, putain. Tu l'as pété. Tu passes ça. Ah ouais, là tu peux pas.
Par où je passe? Brume Canyon. Jamais allé là-bas. Ok, go. Je serais curieux de voir Brume Canyon. La Cité des Larmes, on y est allé. Mais avant... Ouais. On va voir si on descend plus bas, pourquoi est-ce qu'on n'était pas allé ailleurs. Alors on va y voir un petit peu où est-ce qu'on atterrit ici. Salut! Je me doutais que c'était pas une mimique celui-là. D'accord, super. Merde. Alors, un charme composé de matière fongique vivante. C'est un champignon, quoi. Libère un nuage de spore lors de la canalisation de l'âme. Quand son porteur canalise l'âme, émet un nuage de spore qui endommage lentement les ennemis.
Pourquoi pas? C'est tout ce qu'il y a ici? Ok. Oh putain, je vais crever sur ça quoi. Ouais, je le sens venir. Rien ici. Putain, quelle arnaque. Je me suis dit, oh, il y a un truc caché et tout. Enfin... Ok, donc pas grand chose de plus à ce niveau-là. Mais quand même un petit charme sympathique qui vient s'ajouter à ma collection. Ouais, je descends. Encore une fois, l'objectif c'est d'explorer pour voir un petit peu ce qu'on a raté. Il y a une zone secrète que tu as loupée. Oh, eh ben, dommage. Ah, mais oui, ici, putain, tu peux t'accrocher nulle part. Ça, je me rappelle bien. Pourquoi est-ce que je n'étais pas allé plus bas dans le village des Mantes? Là, on voit nettement que j'ai raté un truc en dessous.
Ah non. Il y a clairement un truc en dessous, mais je sais pas comment l'activer. Voilà, j'ai réussi à remonter. Eh ben, on va remonter et se diriger vers le canyon. Je joue sur PS4. En plus, ça sert à rien d'aller là-bas, putain, je me fais chier pour rien. Voilà, Brume Canyon. Ah oui, la banquière. C'est bizarre qu'il propose ce système, mais bon. Oui, la banquière. Alors attends, on est déjà allé là, mais on n'a jamais pu aller très loin. Mais je ne sais pas pourquoi.
Mais en tout cas, oui, la zone me parle bien, ça. Voilà, avec ces putains de méduses, là. Pas de cartes. Je vais jouer ça. Non. Pareil, là, je... Il doit y avoir un pouvoir qui te permet d'aller dans cette merde. Je pense. Est-ce qu'il repeut? Oh, mais d'où ça m'a touché? Super rapide quoi en plus. Oh putain, on est retourné à vers chemin. Merde. Oh non, putain, Brume Canyon quoi. Attends, on n'est pas allé par là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer? D'accord, merci. Est-ce qu'il faut être mort pour pouvoir passer ? Morbide. Le truc c'est quand même je trouve une carte de la zone, je vois pas où est-ce que je pourrais aller en fait. Thank you.
Je crois que c'est la première fois que je rentre dans une baraque où c'est hostile à l'intérieur. C'était peut-être pas une baraque en fait, c'était juste une grotte à la con. Eh merde, putain, je peux pas me permettre de perdre autant de vie. Et apparemment c'est Moustique Land ici. Je pense que j'ai la bonne strat. Bah c'était 100 fois moins chiant que le... Comment ? Le truc... avec les machins oranges là, je sais pas trop comment ça s'appelle. Qui faisait apparaître plein d'autres machins encore plus petits. Ça c'était bien plus chiant. Qu'est-ce que c'est ? Des spectres hurleurs. Ah. Appuyez rapidement sur rond tout en maintenant la touche haut pour libérer les spectres. Les sorts consument l'âme. Récupérer, régénérer l'âme pour vos ennemis. D'accord, pour libérer des spectres. Bon. En l'état, j'ai récupéré un bon truc, mais j'en vois pas. J'en vois pas l'utilité. Hein. Putain, y'en a de partout de ces portails de merde. Putain, c'est trop fort ces portails, ça bloque même toute magie. Et si les spectres servaient pour ça? Je vois pas à quoi ça peut servir d'autre en fait.
Putain, à chaque fois avec le joystick, tu sais, lui il comprend rentrer alors que. Voilà. Bon, on va voir. Ça me paraît un peu gros quand même pour pas que ça fonctionne. Ben, ça a pas l'air d'avoir fait grand chose. Je peux même dire que ça a absolument rien fait du tout. Ah, il te donne un pouvoir, mais il est pas utile. Génial. Là. Là, il y a rien de possible. La banquière. T'as un fragment et je peux même pas l'atteindre. Allez, on va s'arrêter là pour ce soir. Je sais absolument pas où aller en termes de lieux. Là, je crois que j'ai tout revisité. Je sais pas du tout où aller. Là, je sèche un peu. On a un peu tout refait. On a retrouvé pas mal de trucs qu'on n'avait pas vu avant. Des petits passages secrets, un petit peu tout. Quelques boss qu'on n'arrivait pas à se défaire. Je sais même plus où est-ce qu'ils étaient. Vers la route oubliée, je crois, non? Je sais même plus. Mais voilà, je ne sais absolument pas où aller, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite. À voir. Retourner à la cité des larmes, éventuellement, peut-être pour voir si on n'a pas raté quelque chose. Non, de toute façon, on avait fait le gros boss là-bas. Ah, il me semble qu'on avait fait. Hein. Cité des larmes, il me semble que c'était bon. Je sais pas, c'est le seul lieu qu'on n'a pas encore visité, donc peut-être y retourner, mais je sais pas, on avait fait le boss et tout, il me semble que c'était torché en termes de zone, mais bon. Peut-être revoir maintenant qu'on a débloqué de nouvelles compétences, je ne sais pas.
Et puis je sais pas, c'est normal d'avoir à route oubliée là, Thursmouth. Enfin, je sais pas, un logo bizarre là, tout noir et avec des yeux rouges. Je sais pas, c'est normal, pas normal. Pas l'impression d'avoir bien progressé ce soir, hein, mais bon. C'est comme ça. On a trouvé quand même quelques pouvoirs, mais bon, pas. En termes d'aventure, on n'a pas fait des boss exceptionnels, donc bon. On verra bien. Allez. Merci à vous d'avoir suivi ce live jusqu'au bout. Et n'hésitez pas encore une fois à aller voir la boutique Raven 2800. Je vous mets le lien ici. Voilà le lien de la boutique qui contient ni plus ni moins que des superbes t-shirts, que des pulls, que des sweats, que sais-je encore, des coques pour téléphone portable, des coussins, des trucs. Voilà, c'est phénoménal. Et voici, hop, le nouveau logo que vous pouvez avoir dès à présent dans la boutique. Voilà, il est merveilleux, il est magnifique. Mais si vous voulez, vous pouvez également avoir donc l'autre logo qui est, je sais plus où dans mes dossiers, qui est là. Voilà, vous pouvez également avoir celui-ci qui est merveilleux. C'est au choix, c'est au choix. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Caverne novice, tu oublies un truc important au village de Mantes. D'accord, bah j'irai voir. Merci. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce live jusqu'au bout. Allez hop, j'enlève mes petits trucs pour mon auto-promo. Bonne soirée à vous. Bonne nuit, finissez bien votre week-end et à la prochaine pour un nouveau live. Sûrement sur du Yu-Gi-Oh! Mercredi, si tout va bien. Allez, ciao. And don't forget to taste the booyah!